Eh bien le bonjour, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Eh bien je vais vous expliquer comment faire une toute bonne musique en 5 minutes grâce à une application qui s'appelle IncrediBox. Alors sur IncrediBox, vous avez une version gratuite et une version payante. La version gratuite, je vous la conseille pas du tout parce que vous allez être super fort limité très vite, tandis que la version payante, elle est vraiment trop bien. Enfin, je vais vous montrer tout ça maintenant, donc générique! Donc nous voilà sur la version gratuite qui est la version web. Et donc quand on arrive sur le site, il y a 8 personnages. Et vous voyez bien que les 4 premiers, on peut les prendre tandis que les autres, ils ont un petit cadenas. Ça veut dire que malheureusement, on ne peut pas les utiliser. Vraiment, quand vous arrivez sur le site, c'est comme ça. Hein. Donc on clique sur le premier, on va dire alpha. Voilà, et donc le site se présente comme ça. Donc il y a 7 personnages. Et puis en bas, vous avez des petites cases. Il suffit de prendre une case et de glisser dessus. Comme ça. Rien de spécial. Puis après, ben, vous glissez autre chose, vous testez. Regardez, là, j'ai vraiment glissé 4 personnages. Ça fait déjà un petit son un peu deg. Mais ça va encore. Là, vous êtes là et vous dites, ouais, très bien, ça fait un son. Mais je fais quoi avec ça? Vous cliquez sur le petit menu hamburger. Et là, vous pouvez l'enregistrer. Ça doit faire 20 secondes minimum. Voilà, donc une fois que c'est fini, vous recliquez sur le bouton. Là, vous pouvez le sauvegarder dans votre playlist. Vous pouvez le regarder, enfin, ça veut dire l'écouter à nouveau, ou alors réessayer le mix. Nous, ici, on va déjà le sauvegarder. Et là, vous pouvez le sauvegarder. Et là, il va être sauvegardé sur la plateforme IncrediBox. Vous vous dites, bah ouais, mais j'ai créé un son, j'ai envie de l'avoir. Sur la version gratuite, tu peux pas faire ça parce que regardez, la version export est bloquée. Et c'est pour ça que je vous conseille de télécharger l'application qui, malheureusement, pour certains, coûte 5 euros. Et en plus, elle est bien plus complète parce que tu as tout disponible dessus. Tu peux faire des sons en illimité, les exporter en illimité, les partager avec tes potes, etc. Déjà, ici, vous voyez, il y a les 8 personnages. Donc les 4 premiers sont débloqués et les 4 du dessous sont débloqués aussi. Donc on va prendre un du dessous, on prend quelque chose qui est débloqué avec la version à 5 euros. C'est le même principe, c'est un glisser-déposer, donc je vais le faire très vite hein. Voilà, et puis là c'est à vous à chipoter encore une fois. Et en plus ce qu'on peut faire c'est, regardez, genre on peut couper le son de 1. Et puis on peut le réactiver après. Voilà. Vous pouvez aussi isoler seulement un son. Voilà. Voilà, donc là, la basse était isolée, vous recliquez. Et puis, il y a tous les sons qui reviennent. Mais franchement, amusez-vous parce qu'il y a plein de trucs à faire, vraiment. Et donc, encore une fois, ici, eh ben, on peut venir, on enregistre. Donc là, on coupe. On peut le sauver. Regardez, là, tout est débloqué. Soit on peut aller écouter tous mes mix que j'ai déjà fait. Soit on peut l'exporter et le télécharger vers notre PC. Et vous pouvez le partager donc via un lien, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et là, vous l'envoyez à vos potes et ils vont tomber sur votre mix. Que je présume que t'es là, derrière ton écran, en ayant lu le titre qui est « Comment faire une musique en 5 minutes ». Mais ce qu'il y a avec la version gratuite, c'est oui, t'as fait la musique, mais tu sais pas la partager, tu sais plus rien faire une fois que tu l'as enregistrée. Mais je vous conseille quand même de prendre l'application à 5 euros. Et là, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, autant que vous voulez. Et donc maintenant que le petit mini, très très mini tuto est terminé, je vais vous laisser avec un best-of d'un live que j'ai fait il y a quelques semaines, où là j'ai créé des bangers. Non, en vrai j'ai vraiment créé une vraie musique brésilienne, et puis il y en a une autre qui passait trop bien. Je vous mets ça en petit best-of de mon live, et nous on se rejoint après. On est reparti pour créer un son The Love. Ouais, ça c'est une boucle électro. Ouais, ça va bien. Ça on va garder. Ouais, là il manque une mélodie, on sera bien. En vrai, je suis en train d'appuyer sur tout et la musique elle passe bien, ça me fume. Là, par l'autre qui crie. Ah bah voilà. Voilà. Vas-y, je vais enregistrer. Putain, c'est lourd en vrai. Hein. Je sais pas, mais si vous avez votre écouteur à fond.
Et voilà. Waouh, j'étais chaud là. On fait un hit de l'été. Donc peut-être dans Brésil, ça peut sonner pour faire un petit hit de l'été. Bon, on va mettre ça. Ouais, ce qui passait le mieux. Ok, ça fait déjà sober. Oh oui, parfait. Oh, c'est parfait ça. Là, on est en vacances. Là, on est au Brésil, sur la plage. On commence avec lui. Ça. Paris Neymar. Là on est sous les tropiques. Et là il y a le carnaval qui arrive. Paris Neymar. Et voilà, sauvé. Et du coup, ben voilà, j'espère que vous avez kiffé le tuto et que vous avez kiffé les sons que j'ai fait. Vous voyez, ça peut être super complet comme application. Donc franchement, si vous êtes intéressé par cette application, n'hésitez pas à mettre les 5€, ça en vaut la peine, vraiment. Et voilà, en attendant, n'oubliez pas de mettre le petit like, de vous abonner juste là, ça fait toujours super plaisir de se sentir soutenu. Et moi, en attendant, j'en ai fini et je vous dis bisous les copains.